Ces rires retentissent depuis plus d'un siècle autour de la biche. Et c'est là le mystère. Parce que depuis plus d'un siècle, on aura joué la biche aussi bien dans les patronages qu'à la télévision, qu'à la Comédie française, que dans tes théâtres d'avant-garde. Et cela, Philippe Soupeau, historiographe de la biche, l'a noté dans le livre qu'il lui a consacré. Il est à côté de René Clair, et René Clair, à ses débuts, a demandé, lui aussi à la biche, un scénario. Donc, des êtres extrêmement différents pendant un siècle auront demandé à la biche une inspiration et des gens extrêmement différents auront applaudi. Il y a un secret dans la biche. Je crois qu'il faut que nous commencions par situer qui était la biche. Il faut rappeler d'abord qu'il est né à Paris, au lendemain de la bataille de Waterloo, c'est-à-dire au moment où une société bourgeoise a triomphé. Enfin, il avait 15 ans, au moment de la bataille d'Hernani, il aurait pu y assister, c'est-à-dire en pleine époque romantique. Et je crois que c'est tout de même important, parce que la biche, pour découvrir son secret, il faut tout de même le comprendre et essayer de deviner qui il a pu être exactement. C'était un grand gaillard, extrêmement fort, plein de santé, aimable avec tout le monde, charmant, drôle. Et en société même, il était célèbre pour les mots qu'il jetait, mais c'était jamais méchant. D'autre part, quand il était à la campagne, il était très ami avec les paysans, avec tous les gens de son entourage. Il avait un très beau château, il aimait beaucoup s'en occuper, il aimait beaucoup s'occuper aussi d'agriculture. Il était devenu maire de son village. Et même, on peut dire qu'il était devenu, ce Parisien était devenu un campagnard. Parisien au champ. Et je me tourne vers René Clair en lui demandant qui la biche est pour lui, a priori. La biche est un Parisien et la biche est un bourgeois. Et c'est là que commence à se poser le point d'interrogation auquel Jacques Laurent faisait allusion tout à l'heure. Comment se fait-il que ce bourgeois ait été toujours considéré comme un vaudevilliste, mais en réalité, il est un critique des plus acerbes de la classe à laquelle il appartient. Et il appartient complètement à cette classe. Il a vécu toute sa vie comme un bourgeois. Il a vécu toute sa vie comme un bourgeois, et les bourgeois l'ont applaudi. Ils l'applaudissent encore, mais la bourgeoisie, entre-temps, a changé. Elle n'est plus la même. À ce moment-là, elle était triomphante. Il ébranlait donc, en faisant rire, les bases de l'édifice qui était le sien. Oui, mais alors je me tourne vers Jacques Laurent et je lui dis, mais comment le situez-vous dans son époque? Dans son époque, je le situe comme un bourgeois qui fait rire les bourgeois avec les bourgeois, dans la mesure où je ne crois pas que son public s'inquiétait de ses critiques. Retiens bien cette maxime d'un sage. Toute la science de la vie est là. On n'a pas trop de soi pour penser à soi. Les gens allaient au théâtre et voyaient dépeindre là leurs travers, qu'ils fussent boutiquiers ou qu'ils fussent avocats ou médecins ou notaires, puisqu'il s'est attaqué à peu près à toutes les variétés de la bourgeoisie. Mais ils n'y voyaient pas du tout une intention révolutionnaire et les pouvoirs publics non plus. On n'a jamais embêté tellement la biche. Il a fallu qu'il arrive peut-être à certaines peintures dans l'histoire des corbeaux pour avoir un sentiment de froid. Et encore, il n'inquiétait pas, il inquiète si peu que de nos jours encore, il est un auteur rêvé pour un lycée de jeunes filles qui veut jouer une pièce, on prend du labiche. Je voudrais ajouter ceci d'un point de vue plus général, c'est que cette société bourgeoise, vous étonniez tout à l'heure, qu'elle se soit laissée critiquer si facilement et qu'elle en ait ri. Mais il ne faut pas oublier qu'elle était très solide. Or, une société aux structures solides est la providence des auteurs dramatiques. Car, du jour où les jeunes filles peuvent se marier sans le consentement de leurs parents, vous n'avez plus ni Le Voyage de M. Perrichon, ni même Roméo et Juliette. Oui, mais alors là, je vous pose cette question parce qu'elle me paraît troublante. C'est que comment se fait-il que les jeunes filles peuvent se marier sans dot ou librement, sans consentement de leurs parents, et que pourtant ça nous fasse encore rire? Parce que les traits de caractère qui sortent de ces situations d'époque sont éternels. Elles demeurent.
Croyez-vous que ce côté, justement, un peu masochisme des bourgeois explique le succès de Labiche encore maintenant? Masochiste ne s'applique pas au fond à un bourgeois qui va voir du Labiche. Il ne se sent pas du tout attaqué dangereusement. Je ne crois pas qu'il frémisse du tout en se disant « une vague de fond va me balayer ». Et je crois que dans la comédie de Labiche aujourd'hui, c'est le caractère, effectivement, qui domine. Et c'est aussi cette critique de ce qui subsiste en nous du 19e. Car vous avez eu raison, Philippe Soupeau et René Clair, de montrer qu'une partie des conditions économiques du 19e siècle ont disparu aujourd'hui. Mais il subsiste encore un vocabulaire, une certaine emphase, et il subsiste surtout d'ailleurs dans le domaine politique, par exemple, et même journalistique. Il subsiste une emphase qui était propre au 19e siècle. Tu ignores les mystères de la vie parisienne. Tu ne sais pas qu'il y a des tigres qui déposent leurs œufs dans les ménages des colombes. Mais papa, les tigres n'ont pas d'œufs? Ces reptiles ne devraient pas en avoir, mais ils en ont. Et là, il y a aussi un aspect passionnant de Labiche, c'est que Labiche a été le critique du 19e. Il n'a pas dit carrément qu'il le considérait comme le siècle le plus imbécile, mais il en a sans arrêt fait la critique du point de vue du langage. À propos de cette critique du langage romantique, il y a une observation qui peut être intéressante, c'est que Musset et Labiche, qui sont les deux seuls que l'on peut encore jouer aujourd'hui de tout ce grand théâtre romantique du XIXe siècle, sont des romantiques qui ont fait la critique du langage romantique, et c'est peut-être à cause de cela qu'ils sont restés si vivants aujourd'hui. La vérité, c'était le romantisme qui l'attaquait, dans la mesure où le romantisme n'était pas seulement l'apanage des poètes, mais avait pénétré le langage de tout le monde, le langage de n'importe quel candidat à la députation, de n'importe quelle mère en train de couronner une rosière. Ce qui nous touche moins, évidemment, c'est toute la partie de son œuvre consacrée au mécanisme de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, si l'argent a une telle valeur dramatique dans Labiche, c'est qu'il existait encore la prison pour dette. C'est très important. Du jour où vous supprimez la prison pour dette, l'argent perd une grande partie de sa valeur dramatique. C'est la même chose que je disais tout à l'heure pour l'autorisation de se marier, n'est-ce pas? La prison pour dette, la contrainte qui exerçait la menace, cette menace sur les gens, donnait une grande valeur. Or, c'est pour cela que les personnages de Labiche, il y a toujours des propriétaires, des questions de loyer, de l'argent à rendre, et en plus, les dots. Les dots et cette fameuse question de la poudre aux yeux, où l'on voit que les différences de classe sociale sont marquées uniquement par la grosseur du portefeuille. Mon Dieu, oui. Maurice a 1 million de dots. 1 million? Son fils? 1 million? Oh, mais asseyez-vous donc. Je vais rallumer le feu. D'ailleurs, il y a aussi une chose qu'il faut bien noter, c'est que non seulement l'argent, mais la sécurité. Oui. Les gens ne disent pas « Oh, il a 100 millions de fortune ». Ils disent « Il a 24 000 livres de rente ». Et ça, c'est une chose très importante dans tous les bourgeois de la ville. Les talons or existaient. Aujourd'hui, nous disons, quand nous disons le mot rentier, nous disons toujours un petit rentier. Ben, nous ne pensons plus à un grand rentier qui était monnaie courante au 19e. Mais ce qui est capital à cette époque-là, non pas faire de l'économie politique, mais ce qui est capital à cette époque-là, d'abord, c'est qu'il y a les talons or, donc la rente est à peu près certaine, on est à peu près certain que la rente sera la même l'année prochaine. Et deuxièmement, il n'y a pas l'impôt sur le revenu qui limite la fortune. C'est ça, et c'est pour ça que cette société bourgeoise est construite sur des bases extrêmement solides et qu'elle est facile à critiquer. Et cet argent, on le retrouve à chaque scène de Labiche avec une complaisance extraordinaire jusque dans tous ces détails financiers. Il y a plaisir à parler argent. Et tout le monde va bien à Elbeuf? Pas mal. La cotonnade languit, mais la draperie sera nîmes. Et ce plaisir à parler argent tient à ce que la bourgeoisie vient en somme de remporter une victoire. Et par là, cette victoire étant celle de la Révolution française, et par là, Marx se trouve en quelque sorte illustré par Labiche.
puisqu'il considérait cette révolution comme une victoire de la bourgeoisie sur la noblesse. Il y a un bonheur d'être riche dans la biche et sans complexe, parce que cette richesse est avant tout la suite d'une bataille et qu'elle comporte des lauriers et qu'elle permet d'écraser l'ancienne classe dirigeante. Ainsi, tu donneras ton consentement. Je crois que oui. Mais je crains qu'il ne donne pas le sien. Pourquoi? D'abord, il est comte, il est noble. Mais nous sommes de grandes bourgeoisies. Il n'y a pas de mésalliance. D'ailleurs, je ne connais qu'une seule noblesse, celle du cœur. Nous avons 150 000 livres de rente. C'est une richesse, d'ailleurs, qui écrase tout. Y compris l'amitié. Il part? Et pour toujours. Mais que leur avez-vous fait, des amis si chauds? Je leur ai administré une potion calmante. Ouais donc? C'est bien simple. J'ai voulu leur emprunter de l'argent. L'éteignoir de l'amitié. Et cela a suffi? Règle générale. On peut tout demander, tout prendre à un ami, même sa femme, mais il ne faut jamais toucher à sa bourse. Il y a des mots de la biche qui sont d'une cruauté absolument bouleversante, enfin effroyable, et qui vont jusqu'à vraiment une sorte d'absurdité totale. Je crois même que nous sommes d'accord, nous en avons déjà parlé, c'est que la biche est au fond l'annonciateur de Beck et de Mirbeau. Et il va plus loin, beaucoup plus loin même. Beck, Mirbeau, il les annonce par moments avec presque la même violence et même avec la même violence, la même rage, la même amertume. Par exemple, dans la chasse aux corbeaux. Au siècle où nous vivons, il y a une chose qui ne se laisse pas séduire facilement. C'est l'argent. La pièce de 100 sous. Elle n'a pas d'oreille, pas d'amour propre. On ne la flatte pas, on la place. Quant à ces charmantes adulations qui nous font plaisir, je l'avoue, nous avons pour les payer ce que nous appelons la petite monnaie. La petite monnaie. Les dîners, les cigares, les invitations au spectacle. Quant à la grosse monnaie, c'est une autre affaire. Nous la gardons. Pour qui? Pour ceux qui peuvent servir nos intérêts, ou pour ceux qui peuvent leur nuire. Ce que nous craignons. Le mariage est un des thèmes principaux, on pourrait même dire le thème principal de toutes les comédies de la biche. Et ce mariage est considéré non pas du tout comme une sorte d'échange de deux sentiments, mais absolument comme une association, comme une affaire. Et par exemple, on le voit très bien dans Les Petites Mains, par exemple, où il y a une scène tout à fait typique. Pardon, monsieur. Est-ce vous qui demeurez rue du Sentier 12? Oui, monsieur. 7 millions d'affaires par an, 200 000 francs de compte courant à la Banque de France. Mais... caisse exactement ouverte de 5 à 7, jamais de prothèse, bonne signature, parole en bas. Monsieur, permettez... Moi, j'ai une fille, 18 ans, jolie, bien élevée, pas trop de piano. Je suis pressé, je vous offre ma fille. Hein? À moi? À vous. Pardon, monsieur, à qui ai-je l'honneur de parler? Maison Courtin. De Caen. Courtin, de Caen. À premier crédit, signature... Je donne 500 000 francs, pas un sou de plus, pas un sou de moins. Moitié content, moitié valeur à 90 jours, oui ou non? Permettez une proposition aussi inattendue. Réponse, j'ai preneur. Je prends. Tout cela nous fera le mariage fin courant. Permettez, je prends note de l'échéance. J'inscris également de parité. Et conformité. À la fin de sa vie, la biche a même précisé sa pensée. Il a considéré que le mariage n'était même plus une question d'association, c'était une question, c'était la dot qui était la question. Et il y a une comédie de la biche qu'il a écrite assez tard et qui est vraiment d'une cruauté extraordinaire sur la dot qui s'appelle Le Point de Mire, c'est-à-dire la dot, c'est le point de mire. Un père de 6000 francs de rente ne me va pas. Et les parents, alors, qui veulent marier leurs enfants, se deviennent absolument féroces et se détestent entre eux. Rien n'existe plus, ni l'amour, ni l'amitié, ni la camaraderie, ni même le bon voisinage. Rien n'existe que la dot. Un jeune homme marié appartient à tout le monde. Il est dans le domaine public. Ce qu'il y a de surprenant, d'étrange même, c'est que la biche ne se moque pas tellement des coureurs de dot. Ça viendra plus tard. Mais il se moque surtout des parents qui sont intéressés, uniquement intéressés, par la dot qu'ils vont trouver pour leur fille. Papa, vous m'avez sacrifié. Que veux-tu, il était rentier.
Voilà ma circonstance atténuante aux yeux de tous les pères. Il était rentier. Le capon. Ce cynisme va très loin, ainsi qu'en témoigne une scène de Célimare le bien-aimé. Voyez-vous, moi, je suis franc. Je ne vous cache pas qu'au premier abord, vous ne me plaisiez pas du tout. Mais pas du tout. Et à ma femme non plus. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé? C'est le notaire, quand il m'a dit que vous aviez 40 000 livres de rente. Ah, vous êtes bon! Je vous remercie. Ça ne vous fâche pas? Oh, ben comment donc? Mais au contraire. Nous nous sommes dit, Célimare n'est pas jeune, Célimare n'est pas beau, mais la jeunesse, la beauté, ça passe. Tandis que 40 000 livres de rente, enfin quand on a de l'ordre, ça reste. Je suis franc, moi. Cela pourrait être dit par le Joseph Prudhomme d'Henri Monnier, comme le sabre qui sert à défendre des institutions et au besoin à les combattre. Et en vérité, l'ombre énorme de Joseph Prudhomme se profile dans tout le théâtre de la Biche. Ah, oh, il est doux d'avoir des enfants dont on est exclusivement le père. Une chose que nous ne devons pas négliger, c'est qu'il y a le côté du technicien remarquable qu'a été la Biche. Je crois que la Biche est un scénariste extraordinaire. Et d'autre part, il a une technique aussi extraordinaire que celle de Feydeau, par exemple. Yann. Ah, c'est assez différent, permettez-moi de vous interrompre, Philippe Soupeau. C'est assez différent, parce que la Biche a une technique qui est entre celle du roman d'aventure et ce qui serait celle du cinéma, s'il avait pu connaître le cinéma. Ayant eu le bonheur de collaborer avec lui, quoiqu'à une assez longue distance, j'ai pu, me penchant sur son travail, le décomposer, voir comment c'était fait. Et en réalité, ce qui est frappant, c'est que la Biche, homme de théâtre, fait éclater le cadre du théâtre. Prenez même une comédie de caractère, comme Perrichon. Les personnages se poursuivent d'un pays à l'autre, d'un décor à l'autre, n'est-ce pas ? Il n'a jamais assez de décor. Alors, que fait Feydeau ? Feydeau est un homme de pur théâtre. Après que j'eus fait deux adaptations de la Biche, on m'a naturellement proposé de faire du Feydeau. Et j'ai bien étudié Feydeau, je me suis aperçu que c'était à peu près impossible. On l'a fait, ça n'a jamais été des réussites égales à ce qu'était la pièce originale. Parce que pour Feydeau, il faut un côté cour et un côté jardin. Si vous dérangez l'ordonnance des scènes, d'une réplique peut-être, tout tombe. Tandis que sur la Biche, vous pouvez improviser. Le thème est extrêmement varié, extrêmement vaste, et vous pouvez y mêler, si vous osez, votre propre imagination sans rien déranger à l'essentiel. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a tout de même aussi une chose très importante et qui confirme ce que vous dites, c'est que la Biche a le sens extraordinaire du mouvement. C'est ça. Il y a le mouvement qu'il n'y a peut-être pas chez Feydeau. Chez Feydeau, c'est plutôt la mécanique, tandis que chez la Biche, c'est le sens du mouvement. Et toutes ces pièces vont à une vitesse extraordinaire, il n'y a presque rien à en retirer. Seulement, je crois qu'il y a tout de même une chose, c'est que les modèles de la Biche sont extraordinairement bien typés. C'est qu'on a vu un vaudeville chez la Biche, et pourtant, je crois que ce sont souvent des comédies de caractère. N'est-ce pas votre avis, Jacques Laurent ? Oui, je crois d'ailleurs que c'est ça un petit peu le sujet de notre discussion. Mais naturellement. C'est la Biche était autre chose qu'un vaudevilliste. Oui, mais on lui a attribué ce qualificatif de vaudevilliste parce qu'il est au fond le créateur du vaudeville moderne. Oui. Alors on a dit c'est un vaudevilliste, il a créé le vaudeville. Mais derrière cette création, il y a la comédie de mœurs qui, elle, n'est pas créée à cette époque-là puisqu'elle existait avant. En réalité, il est continuateur de Régnard aussi bien que de Molière. D'ailleurs, c'est curieux, quand on lit son œuvre, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il a commencé par un vaudeville, typiquement vaudeville, qui est le chapeau de paille italique, que vous connaissez bien, René Clair, et que finalement, à la fin de sa vie, il est devenu un auteur de comédies de caractère, de dramatique. Par exemple, Le Point de Mire ou Perrichon sont des comédies de caractère. Ce qui est particulier chez la Biche, c'est qu'il introduit des notions de comédie de caractère dans du vaudeville. Alors, s'il s'en présente un second avec 2 millions... Il faudra encore que je change. C'est ennuyeux de déménager son cœur tous les jours. Il y a aussi dans le caractère bourgeois que dépeint la Biche, la grivoiserie. Soyez franc. C'est une rupture que vous cherchez. Une rupture ? Jamais ! Une simple modification. Le rôle de la femme sur cette terre n'est-il pas de revenir à son mari après l'avoir trompé ?
C'est ainsi qu'il me semble que le théâtre d'adultère, qui va être celui de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, est annoncé dans différents endroits, et notamment par cette phrase du misanthrope et l'auvergnat, je crois, « L'absence d'un mari est le plus beau cortège d'une femme. » Ma femme aussi respirait l'honnêteté. Seulement, elle avait la respiration très courte. Mais tout grivois qu'il est, et annonciateur du théâtre grivois de la fin du 19e siècle, le Joseph Prudhomme ou Perrichon de la Biche ne manque pas de pudibonderie et même, si on peut dire, d'hypocrisie. Madame, je voudrais un livre pour ma femme et ma fille. Un livre qui ne parle ni de galanterie, ni de mariage, ni de mort. Monsieur, j'ai votre affaire. Les bords de la Saône, 2 francs. Tout de même, il ne faudrait pas oublier que si la Biche critique la bourgeoisie, il la défend aussi parce qu'il est lui-même un bourgeois. Et alors, bien sûr, il essaye de la montrer telle qu'elle devrait être. Et non pas telle qu'elle est. Et il croit à la bourgeoisie, il croit au code de la bourgeoisie, code qui s'est, disons-le, bien atténué de nos jours, dont la rigueur s'est bien atténuée de nos jours, et il condamne ceux qui ne respectent pas ce code. Oui, Madame Chamerois, oui, les Jobards. La sainte phalange des Jobards. Tâchez d'en être, mon cher Monsieur Chamerois. Car les Jobards, ce sont ceux qui croient à quelque chose, qui se sacrifient pour quelque chose, qui prêtent, même en sachant qu'on ne leur rendra pas, qui donnent, en sachant qu'on ne leur en saura jamais gré, qui ont foi dans l'amour, dans l'amitié, dans la probité. Qu'est-ce qui a fait les plus grandes choses de ce monde? Les Jobards. Les martyrs, Jobards. Les héros, Jobards. Et Dieu veuille qu'un jour, en face d'un service à rendre ou d'une preuve de dévouement à donner, j'oublie assez toutes les lois de la prudence pour qu'on dise de moi « Quel Jobard !» Ce texte pourrait être évidemment signé d'Alceste. Mais enfin, il ne faut pas exagérer parce que l'homme contredit cette sorte de misanthropie. Je vous arrête sur ce mot « misanthropie » parce que tout ce que nous savons de la Biche et que nous savons grâce à vous, puisque vous êtes l'historien, le seul historien de la Biche, nous dépeint en effet un personnage optimiste, bon vivant, et il y a dans cette œuvre, vous venez nous le montrer, nous venons de le voir, une espèce d'amertume, ou au moins une connaissance de l'âme humaine, que l'on ne peut pas qualifier toujours d'optimiste. Alors, la question se pose depuis le début de cette conversation, quel est ce que l'on pourrait appeler le secret de la Biche? Je crois qu'on pourrait approcher de ce secret en se souvenant que quand il était très jeune, il avait publié un roman qui s'appelait « La clé des champs ». Et dans ce roman, il y a tout à fait un autre la Biche. Probablement, ça devait correspondre à une certaine crise. Il était très jeune. Il était très jeune et il a été honteux de ce roman. Il l'a retiré. Il n'a plus voulu qu'on le vende. Je crois même que, à ma connaissance, il n'y a que vous et moi qui ayons une idée de ce roman, puisqu'il nous a été donné à chacun par le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Jeanne Labiche. Parce que c'est une grande faveur, parce qu'il ne voulait pas qu'on le lise. Et c'est probablement là, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on va peut-être découvrir, qu'on peut arriver à découvrir un secret, au moins le début d'un secret. Ce roman a l'air charmant. Il est d'une langue très agréable, très naturel, mais très littéraire. Enfin, c'est un tout autre la Biche. Mais il ne m'a pas l'air si grave que ça. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce livre? Oh, il ne se passe pas grand-chose, n'est-ce pas? Non. C'est une suite de scènes de la petite vie parisienne, analogue à du Henri Monnier. Ça ressemble à du Henri Monnier. Il n'y a pas Monsieur Prudhomme, mais c'est le roman chez la portière. Mais à travers ces petits tableaux satiriques, il y a le caractère d'un jeune homme. Ce jeune homme s'appelle Émile. Il est à peu près de l'âge que Eugène Labiche avait quand il écrivit ce livre. Et il semble qu'à travers les aventures amoureuses d'Émile, il y ait une sorte, peut-être je vais trop loin, mais une sorte de confession.
car ce jeune homme a des amours malheureuses et il arrive au bord du désespoir. Et même du suicide. Il y a, à la fin de ce livre, une page tout à fait extraordinaire et qui, à mon avis, sera une révélation pour les lecteurs et les spectateurs de La Biche, qui est une page merveilleuse et désespérée. Cette conversation avait fortement impressionné Émile. Il se mit à songer pour la première fois que l'homme avait à sa discrétion, en tout temps et en tout lieu, le plein pouvoir de finir ses peines. Le suicide se révéla à lui, ce fut comme une découverte nouvelle. Il le rejeta d'abord comme une chose odieuse, comme un remède inouï. Néanmoins, il trouvait quelque consolation à s'y plonger. Cette omnipotence donnée à l'homme sur sa vie lui semblait relever la créature. La puissance de Dieu même qui a créé l'homme, pensait-il, est donc sans force pour le contraindre à vivre. Quand il cesse de trouver habitable le monde qu'on lui a fait, il peut souverainement décréter sa liberté. Aucune volonté n'est au-dessus de la sienne. Sa vie tient à un geste qu'il a le pouvoir de faire ou de ne pas faire. Le suicide est une arrogante conquête de la matière créée sur la puissance créatrice. C'est assez étonnant. Ça n'annonce pas du tout la langue qu'aura La Biche par la suite, ce premier livre. C'est d'un style, presque classique, on dirait du La Rochefoucauld. Oui, dans les passages sérieux. Et c'est un tout autre La Biche qui semble en effet les avoir écrits. Un La Biche jeune, sur lequel nous avons très peu de renseignements, n'est-ce pas? Nous savons, au point de vue sentimental, qu'il a été amoureux d'une actrice. Très amoureux d'une actrice, oui. Et tout de même, nous savons qu'à cette époque, au moment où il écrivait ce livre, nous savons tout de même qu'il a pleuré à la première représentation de Chatterton. Chatterton. C'est curieux que vous citiez Chatterton, car ce qu'il écrit sur le suicide encore pourrait être dit à propos du héros d'Alfred de Vigny. C'est que dans cette tête amaigrie, une pensée terrible était en travail, le suicide. Avec toutes ses luttes, ses doutes, ses angoisses. Car de la conception à l'exécution d'une telle pensée, il y a un espace immense. C'est peu à peu que l'esprit parvient à détacher la bête des choses de la terre. Il lui faut de longues insistances, d'opiniâtres arguments pour convertir à la mort cette matière vivace. Et pour l'âme, ce n'est pas l'affaire d'un jour que de corrompre un geôlier tel que le corps. Cette fois, on est bien obligé de penser à du Bossuet. Mais effectivement, il n'y a pas de doute, il lui est arrivé quelque chose. Il a eu un grand chagrin d'amour. Parce que ce passage-là, sur lequel je tombe, est spécialement révélateur. Et même, c'est là que, sous l'empire d'une souffrance, d'un dépit, il devient un moraliste un peu cynique, mais on comprend comment même les personnages qu'il va avoir par la suite sont nés. Ils deviennent cyniques, tranquilles, bonhommes, mais lui a eu du mal à le devenir. C'est par la souffrance qu'il est devenu un bourgeois tranquille. Parce qu'écoutez ça, c'est une grande sottise de placer ainsi la totalité de son bonheur sur une seule tête. Autrement dit, il nie l'amour à ce moment-là. Sottise aussi grande que de placer sa fortune dans une seule main. Il suffit d'une banqueroute pour être ruiné. Il faut savoir disséminer ses affections, se faire un fonds de réserve, afin de pouvoir, si l'on est trahi par quelque côté, se consoler par un autre. Le meilleur est de soumettre sa félicité non aux personnes, mais aux choses. Les personnes, amis ou maîtresses, peuvent faillir. Mais la fidélité d'une chose est immuable comme elle. Ainsi, lorsqu'on est parvenu à faire du travail un attachement au bonheur, on a trouvé le plus indépendant et le plus solide des biens. Mais c'est presque, si vous remplacez le mot œuvre d'art par le mot travail, c'est presque la conclusion de Proust dans Le Temps retrouvé. Cher Jean Bernier. Et là où la confession,
ce que nous croyons être la confession de la biche me semble signé, c'est dans la dernière page de ce roman La Clé des Champs, qui pour nous est peut-être la clé de ce que nous avons appelé le secret de la biche, c'est dans cette dernière page qui commence ainsi. 10 années se sont écoulées depuis ces événements. 10 ans se sont écoulés depuis ces événements. Émile en a 30. D'autres épreuves ont traversé sa vie. Mais il a été fort. Sa lutte avec la misère est terminée maintenant, comme on dit. Sa position est faite. Ce n'est plus cet enfant chétif, malade, découragé, rêveur. Il est rentré dans la vie commune, dans la joie commune, dans le mouvement commun. À mesure que la poésie s'en est allée de lui, il s'est attaché à la terre. La poésie est une rêveuse mécontente qui se soulève incessamment contre la matière. Dans une société organisée, c'est la pire des choses à mettre en pratique. Elle conduit directement au dégoût de ce qui est.